veux, nous, on a commencé à utiliser la photographie sur le chantier par rapport au suivi de chantier, par rapport à la phase de facturation. Et là, donc, est venu le problème du stockage des photos et le problème de la géolocalisation, parce que bien souvent, on ne se rendait pas forcément compte de là où tes photos étaient prises. L'outil Etopo, en cela, nous a parfaitement convaincus, puisque du coup, on avait le chef de chantier qui pouvait prendre la photo sur le site au moment de la phase chantier, et je pouvais la voir, moi, sur mon bureau, géolocalisée et archivée sur une plateforme. Ensuite est venu les problèmes des recollements sur chantier, où on a dû faire appel à des prestataires extérieurs pour avoir des recollements de classe A. Et donc là, l'application Etopo nous sert justement pour que le dessinateur, une fois qu'il a fait sa prise de points sur le chantier, puisse faire les recollements donc, sur un chantier d'eau potable par exemple. Ça va être l'été, les vannes, etc. Lui, là, je lui ouvre un lien grâce à l'application et sur son site, il peut directement accéder à nos photos géolocalisées qu'il peut intégrer à ses plans.